de l'abbaye. Un jour, une jeune lieutenant s'est fait exploser par la grenade d'un superviseur et le duc Alista. Merde. J'espère qu'ils vont s'entretuer une bonne fois pour toutes. Ça devrait les calmer. Ça m'étonnerait. En tout cas, pas tant que Forlow et le superviseur Burns seront encore en vie. Je vais sans vouloir te vexer. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'entends dans mon sommeil. Toute cette poussière vient des mines. J'ai les nerfs en plotte. Il se passe quelque chose d'inquiétant. Dès que j'ai fini, je fonce droit au pub. J'aurais dû écouter ma mère et devenir l'impératrice ou pas. Elle saigne comme tout le monde. On vit une période bizarre. Il faut toujours rester sur ses gardes. Votre tête vaut son pesant d'argent.
revenir à Dunwall, remonter des souvenirs enfouis. Bonjour, Emily. La maison de Stilton est tout près, mais ça va être difficile de se frayer un chemin à l'intérieur. Je suis partie en reconnaissance. J'ai discuté avec des gens. Les superviseurs et les hurleurs se sont répartis le quartier. Tout droit, c'est un territoire neutre, personne ne s'en prendra à vous. Mais plus loin, chaque faction a ses propres frontières. Si vous les franchissez, ils vous attaqueront à vue. L'objectif, c'est Aramis Stilton. Sokolov prétend que vous avez une idée. Effectivement. Ils vous laisseront traverser leur zone et ils vous aideront à pénétrer dans le bunker de Stilton, si vous éliminez Paolo ou le vice-superviseur Byrne. Il suffit d'apporter le corps à la faction adverse. Rien d'autre qui puisse m'aider ? Byrne est entouré de ses superviseurs. Paolo est protégé par les hurleurs et par un charme de magie noire. À ce qu'on dit, il faut le tuer deux fois avant que le soleil ne se couche pour qu'il meure. Bonne chance. Reste de ton côté, ou on te fera cracher tes dents. Si ça se trouve, t'es ici pour nous espionner. Oh, bonjour. Je vous ai pris pour un membre du gang de Paolo, mais je vois que je me suis trompé. C'est interdit au public ici. Mourir. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des années avec Stilton, les mineurs avaient un bon taf. Il n'y avait personne de viré ou personne de blessé. Ouais, vous auriez pas quelques petites pièces impériales par hasard? Surveiller les patrons pour pas qu'ils ne viennent jamais sortir du calibre. C'est malsain. Mais ça le maintient en vie.
mal. Assise, j'ai mal. Le seul moment où je me sens bien, c'est après 3 verres de rhum. Je suis à l'intérieur. Où est Paolo ? De la grande garde, mais je ne vois pas comment vous pourriez venir en aide aux mineurs. Je crois que j'ai repéré quelqu'un. Je ne peux pas mourir. 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 Je